Bien, salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui, enfin, si je puis dire, monsieur. Il y a eu quelques déboires pour recevoir le jeu. Bon, bref, pour ça que j'ai pas pu le faire plus tôt. Bref, on se retrouve donc enfin sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch. Et ça fait plaisir de refaire un Zelda, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu Zelda. En plus, c'est un Zelda qui a l'esthétique du remake de Link's Awakening, sorti il y a quelques années sur Switch également. Ça fait plaisir. À savoir que c'est pas la suite hein, du Link's Awakening, évidemment. Pour ceux qui savent ce qui se passe à la fin de Link's Awakening, on comprend bien qu'il peut pas y avoir de suite à ce qui s'est passé dans le jeu. Non, c'est un jeu à part. Je ne sais pas exactement. Je pense pas que ce soit une suite d'un autre jeu. Hein. C'est juste un Zelda, quoi. Et là, donc, on est déjà à la fin du jeu, vous voyez, on est ultra pété, on a tout. On a tous les cœurs, on est déjà à fond, on a déjà un Link ultra pété. Voilà quoi. On a déjà l'arc, on a déjà les bombes. La vie au max. Ça fait plaisir de enfin pouvoir se refaire un petit Zelda comme ça. Même si j'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique vis-à-vis de du gameplay qu'ils ont présenté. Alors on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que le gameplay du jeu est bien ou pas? Oui, le jeu a quelques particularités vis-à-vis de son gameplay. Et vous verrez ça un petit peu après. Il sert à rien le bouclier là, tu te fous de moi. Encore toi. Tu es toujours aussi obstiné. Enfin, cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. On se calme là. Mais on se calme, je t'ai dit là. Direct les grosses attaques là. T'enlèves trois cœurs d'un coup. Non mais ça va bien. Oui. Le classique. Le classique ping-pong. Merde.
si on pouvait le toucher avec les flèches en même temps. Oh mince, Link! Link a été englouti! Link! Et voilà, première particularité de ce Legend of Zelda, c'est qu'on contrôle enfin Zelda! Depuis... bientôt 40 ans! Où on contrôle Link, on peut enfin diriger Zelda. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Cette capuche, laissée par l'épéiste tout de vert vêtu, peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ok, je peux l'équiper tout de suite ou... Aïe aïe aïe. La fissure s'élargit. Cours, 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 cours. Go Zelda, cours. Aïe, 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 ça nous colle au derrière. Vas-y, 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 vas-y. Ouï, ouï, ouï. Non, pas bon, pas bon, pas bon. Vas-y, 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 avance, avance, avance. Tu vas te faire engloutir toi aussi. Allez, 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 allez. Aïe. Évidemment, on casse tout comme d'hab. On vient, c'est en à peu près bon état, on repart, y a plus rien. Comme d'hab, quoi. Ouais, il te kidnappe et il t'emmène juste à côté de chez toi, c'est bien. J'étais juste à côté dans la grotte là, et quand vous faites votre patrouille, jamais vous êtes rentré dans la grotte pour vérifier si j'y étais pas, non? Je sais pas. Je me fais kidnapper, mais non, ça doit être... non. Oh, les déesses soient louées, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessé? Ces 7 jours où vous avez été enlevé ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignions que vous vous soyez volatilisé. Princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis? Il y a une énorme faille ici, mais principal, c'est que vous soyez revenu. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté le Roi d'Hyrule. Puis au bout d'une semaine, me laisser aller
prendre une petite douche, me laver un petit peu, non, ça vous viendrait pas à l'esprit par hasard? Non, je sais pas, je demande, comme ça. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu sain et sauf. Ah, on peut déjà rentrer dans les petites maisons. Ça alors, votre Altesse, contente de vous revoir. Est-ce que vous avez vu des failles à l'extérieur? Ici, tout le monde était stupéfait d'en voir une apparaître dans les murs de la citadelle. Heureusement, personne n'a été blessé. Bon, on va avancer, parce que si je commence à... si je commence à partir à gauche, à droite, on n'a pas fini. Dans une heure, on n'a toujours pas fait l'intro. Je me connais. Je vais tout regarder partout, puis perdre 4 heures juste à parler avec tout le monde. Oh, votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Bon, je vais pas faire 10 000 voix, parce que au bout d'un moment, je me perds dans les voix différentes. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là, et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendriez par vos propres moyens. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que c'est mon mot échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté le roi d'Hyrule vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Ah bah voilà, au moins une qui pense qu'après une semaine, je peux sentir mauvais. Que j'ai besoin d'aller prendre un petit bain, une petite douche, quelque chose, quoi. Quand même. Ça fait 7 jours qu'on m'a enlevé, et non, tout ce qu'on me dit, c'est... C'est de continuer, quoi. Votre Altesse, vous êtes vivante. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit de tous de joie. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La ministre Sénès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Detz, ministre Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude, mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenue parmi nous. Approchez-vous, que je puisse admirer votre visage. Oh, je suis si soulagé. C'est bien vous, vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé, lui aussi. En effet, j'espère qu'il est toujours en... Volatilisé, vous dites. Vous voulez dire, comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants. Beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Quelle peut bien être la cause ? Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert. Et le plus tôt sera le mieux. Votre Majesté! Qu'y a-t-il? Vite, parle! C'est terrible. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? Oui, Majesté.
Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. On va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Général Dets, ministre Sénès. Votre Majesté. Ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, Votre Majesté. Général Dets, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Aïe, 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 aïe. Le trône se fait engloutir. Eh ben, ils vont pas enquêter beaucoup. Comme ça, c'est vite expédié. Aïe, aïe, aïe. Les doubles maléfiques. Garde! Jetez-la au cachot! La princesse, au cachot? C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas la laisser en liberté. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. J'ai moi-même du mal à y croire, mais le général Dets et la ministre Sénès ici présents peuvent témoigner de cette culpabilité. Ne restez pas planté là, dépêchez-vous de l'emprisonner. À vos ordres. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, les doppelgangers maléfiques. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que sa majesté peut bien avoir en tête? Tu n'es pas au courant? Apparemment, ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône. Quoi? Tu plaisantes? Mais alors, est-ce qu'elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Sa majesté envisagerait même de la faire exécuter pour protéger le royaume. Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Effectivement. Alors, notre inventaire est vide. Je voulais voir si on pouvait pas équiper la capuche. On va faire une petite sauvegarde. Ok. Je peux cibler la table. Pourquoi ? Tu peux me voir? Je m'appelle Tri. Moi aussi, je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château. Oh, mais j'y pense. Je ne connais toujours pas ton nom. Zelda? C'est noté. Tu sais, Zelda, tu cours un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ceux que tu as vus en ressortir sont... comment dire? Des imposteurs? Je vois, c'est ça, le mot. Alors toi aussi, tu t'en étais rendu compte? Zelda, tu ne peux pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver.
Sortons d'ici. Ouais, mais je passe pas à travers les barreaux, moi. Bah oui. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux? Voilà qui est intéressant. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Point, 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 point. Vous avez reçu le sceptre de Tri. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri. Il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille et appuie sur ZR. Vous avez mémorisé la table. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Oui, tu as réussi. Mes camarades et moi, on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho. Si tu veux effacer un écho, approche-t'en, puis appuie sur ZR. Et pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. En appuyant sur Y, vous pouvez reproduire les choses que vous avez mémorisées avec ZR. Le nombre de choses que vous pouvez reproduire dépend du pouvoir de tri, les petits triangles disponibles. Appuyez sur ZR pour faire disparaître quelque chose que vous avez reproduit. Maintenez et appuyez pour faire disparaître tout ce que vous avez reproduit. Ok, donc elle a trois petits triangles derrière elle. Donc on peut faire trois trucs pour l'instant. Maintenant tu vas pouvoir t'évader. Allons-y. Je pense qu'on pourra peut-être augmenter ça par la suite. Et peut-être qu'il y a des trucs qui coûteront plus cher que 3 à utiliser. On va pas aller par là, il y a les gardes. Ok. Phase d'infiltration. Enfin, d'exfiltration pour être plus précis. Vous avez mémorisé l'écho de la caisse en bois. Ok. Tu peux voir tous les échos que tu as mémorisés maintenant. Le bouton appuyé, tu peux en choisir un avec R et lâcher un pour le définir comme écho à reproduire. Ok. Mais hop. Mais non. Et je vous ai attrapé. Ben oui, tu m'as attrapé. Mais t'as réagi, tu repartais, puis t'es reparti de ce sens-là, donc forcément. Ouais, vous avez réussi à sortir. Enfin, peu importe. Vous devez rester ici tranquillement. Ce sont les antres du roi. Oui. Je vais sortir. Je vais rester là, je veux dire. Bien sûr. On dira ça. Toc. Ça suffit. Bon, on va peut-être éviter de se faire capturer toutes les 2 secondes, s'il vous plaît. Hop. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour j'ai cassé un pot. Quand le général Dead s'est entendu ça, il est arrivé en courant. Ouf, il a dû te passer un sacré savon. Même pas.
J'ai paniqué et j'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti dans la direction du bruit et il m'a même pas vu. Général Ted, ce n'est pas toujours très futé. Le pot du château d'Hyrule, ok. L'autre à gauche il veut pas, hein? Voilà, quand même. Ah bah oui, non mais du coup, voilà quoi. Du coup il m'en kikine. Yes. On a réussi. Bon, et l'infiltration, hein, c'est pas mon fort. Hein. Oh, votre Altesse! Les déesses soient louées, vous êtes saine et sauf, rassurez-moi, vous n'êtes pas blessé. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Sa Majesté? Qui pourrait croire que vous avez ouvert cette faille? C'est parfaitement ridicule. Quoi? Le roi, le général et la ministre sont tous des imposteurs? Mais vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et de son sceptre. Ma foi, voilà au moins une bonne nouvelle. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre, Zelda. Votre Altesse, où est le seigneur Tri en ce moment? Je ne le vois pas. N'est-il pas avec vous? Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir. Le moment est décidément bien de mystère. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, votre Altesse. Et puis Sa Majesté envisage de vous faire exécuter. Vous devez fuir le château au plus vite. La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention. Je vais vous apporter de quoi vous changer. Votre Altesse, que vois-je dépenser de votre poche? Je vois... C'est la capuche que portait l'épéiste qui est venue à votre secours. Elle semble être votre taille. Vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Hâtez-vous avant que quelqu'un n'arrive. Voilà, pour enfiler la capuche par-dessus... Par-dessus. T'as besoin de passer derrière. C'est pas comme si tu te changeais totalement. Vous avez obtenu la tenue incognito. En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements. Il s'en dégage une odeur de vieille armoire. Sympa. Ça veut dire que Link sent le moisi. Appuyez sur R pour faire un rapide tour sur vous-même. Très bien. Maintenant, vous devriez pouvoir vous déplacer plus aisément. Son Altesse a disparu. Retrouvez-la. On dirait que nous avons de la compagnie. Laissez-moi m'en charger. Dame Impa, qui est avec vous? Est-ce que ce serait son Altesse? Si c'est bien elle, il faut nous la remettre sous le champ. Vous la remettre? J'ai bien peur de ne pouvoir accéder à votre requête. Oh la vache! Mamie Impa Ninja. Votre Altesse, prenez ceci. Parapapam, vous avez obtenu le journal. C'est un carnet qu'Impa vous a remis. Une carte est glissée entre ses pages. Ok, ah oui, il y a plein de délimitations par les pointillés. Ça fait beaucoup de zones, la vache.
Rendez-vous à la maison marquée d'un point. Dites que vous venez de ma part et que l'on vous viendra en aide. Oh bon sang, j'arrive plus à parler. Là-bas! Continuez tout droit et vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château. Fuyez par là! Votre Altesse, nous nous reverrons plus tard. Ah oui, ça fait Breath of the Wild, quoi. Tears of the Kingdom, j'ai toujours pas fait, d'ailleurs. Ouais, je le fasse un jour. Les imposteurs du roi et de sa cour sont sortis de la faille et vous ont accusé d'avoir créé les failles. Empruntez le passage secret pour sortir du château et rendez-vous à l'endroit indiqué par un point sur votre carte. Ok. Alors, l'écho de la plante décorative. Bien, 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 bien. J'imagine qu'elle va nous servir. On peut pas lire le petit mot, non? Vas-y, absorbe. L'écho du vieux lit. Puis en bas à gauche, ouais, c'est les lits aussi. Ok. Hop. Le lit. Un rubis, le début de la fortune. Ok, ok, y a rien d'autre. Apparemment non. Et hop, dans le puits, Zelda. Dans le puits. Ouh, les phases. Les phases comme dans Link's Awakening en vue de côté. À l'horizontale, comme ça. Le défilement horizontal. Ah oui, alors attends. Hop. Ah bah, j'ai tout mes cœurs, donc je peux pas vérifier un truc. J'aurais voulu vérifier s'il manquait de la vie. Comme on peut se reposer dans le lit apparemment, je voulais vérifier si on pouvait récupérer notre vie comme ça. L'écho du rocher. Toc toc toc. Ça va, hein. Les énigmes sont pas très très compliquées, tant mieux, parce que moi il y a un truc qui me fait peur, c'est l'énigme dans Link's Awakening où fallait faire une suite de quêtes, où fallait emmener un objet à Pierre pour emmener un truc à Paul et ainsi de suite. Ça j'avais détesté dans le jeu, c'est la première fois que j'ai fait le jeu forcément, voilà quoi. Ah, c'est les toilettes là, ça sent mauvais, n'y va pas Zelda, n'y va pas. Il y a une fumée qui s'en dégage, c'est pas bon signe. Une autre faille. Parfois des failles s'ouvrent et engloutissent des choses et des gens, ce n'est pas nouveau. Notre travail à mes camarades et moi consiste à les refermer. Mais mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour refermer une faille aussi grande. Éloignons-nous pour le moment. Aïe. Recours poursuite. Ah, elle va se noyer. On va se noyer. Au secours. Ah, j'écoute le jeu avec crash. Hey, Zelda. Wake up, wake up. Ah, tu es réveillé? Allons-y. L'écho de la pierre.
Ok, l'autre elle était ronde, celle-là elle est un peu plus plate, on peut la soulever. Ok. Pour l'instant ça va, c'est le début du jeu, c'est pas très très compliqué. Où sommes-nous? On peut peut-être le savoir en regardant ce que t'a donné cette dame tout à l'heure. Oui, alors nous sommes là. Sous la plage du sud. Qui est au sud. Ça tombe bien. Si la plage du sud était au nord, faut se poser des questions. Un blob. Ah, un monstre. Et il t'a remarqué. Zelda, tu sais te battre contre les monstres? Ouais, non, pas vraiment. Si je fais ça... Ouais, ça marche. Vous avez mémorisé les codes du Zol. On peut les monstres aussi. Est-ce que tu as mémorisé le monstre? La miniature scintillante que les monstres laissent derrière eux... Une fois vaincu, te permet de les mémoriser comme tu viens de le faire. Les monstres reproduits attaquent en priorité les cibles verrouillées avec ZL. Ok. Par là, non. On peut faire des pirouettes dans l'eau aussi. Ok. 5, oui, bah on sait. Hein. Les rouges c'est 20, etc. Ah, là il y a un coffre. Là, il y a un coffre. Alors ça, toc. Hop. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Les rouges, c'est 20. Yes. L'écho de l'ours. Bien joué. Tu as réussi à vaincre le petit blob. Sans bouger de ta place en plus. Regardez par là. Bon, il y avait le coffre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça. Arrête de manger le fil, choupette, là. Je peux pas le faire passer autrement. Excusez-moi, il y a le chat qui mange le fil des écouteurs.
Hop, hop, hop. Attends, 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 attends. Bouge pas, bouge pas. Attends bien. L'écho de la chauve-souris. Ah, il y a un quart de cœur. C'est pour assez ça. Ah, si, bien sûr. Hop, et de deux. Et de deux. Voilà, on fera pas le 100%, je pense pas. Sur mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont bien cachées. Et que je risque de d'avoir du mal à trouver. Sans tourner pendant 2 heures. Le seul truc qui me fait peur, c'est, comme je disais, les énigmes façon Link's Awakening, là, avec les suites de trucs qui sont pas forcément très clairs. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose. Non. Là non plus. Je vous fais un peu de désherbage, hein, ça vous dérange pas. Bonjour. Bienvenue au village du sud. D'ordinaire, c'est un endroit paisible, mais ces derniers temps, rien ne va plus. Ah, si seulement Link était là. Link? Link est un garde du village. C'est le meilleur épéiste de la région. Il nous débarrasse aussi bien des monstres que des mauvaises herbes. Malheureusement, en ce moment, il est en vadrouille je ne sais où. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la capuche que tu portes ressemble beaucoup à celle de Link. Ah, le brave petit gars. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Que s'est-il passé? Une faille s'est ouverte au nord du village, et elle a englouté l'une des nôtres. Et comme si cela ne suffisait pas, cette fichue faille bloque la route qui mène au château d'Hyrule. Qu'est-ce qu'on va faire? Au revoir. Je rentre chez toi, hein, ça te dérange pas? L'écho de la viande. Dis-moi voir la viande. On peut avoir un descriptif? Non, juste viande. Oui, mais j'ai pas d'amiibo. Attends, descriptif de la viande. Une grosse pièce de viande sur os rôti à point. Mais ça dit pas quoi. Ça ne dit pas si ça nous régénère de la vie ou pas. Ou alors c'est juste pour distraire les ennemis, je sais pas. On verra. On verra bien. Oh mais ça repousse vite chez vous, dis donc. L'écho du pot. Ah, c'est le deuxième pot qu'on récupère. Quelqu'un du village s'est fait engloutir par la faille, alors t'imagines la panique. Sans compter qu'avec tous les monstres qu'il y a dans la forêt d'à côté, on n'a nulle part où se réfugier. Je n'avais jamais vu une aussi grande faille. Ah, ça fait froid dans le dos. Il y avait un drôle de vieux bonhomme qui vivait dans la forêt du sud. J'espère qu'il va bien. La faille a englouti quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça rend nerveux ces histoires. Je tiens plus en place.
T'as vu? J'ai reçu un trampoline. Il est trop bien, hein? Tu peux l'essayer si tu veux. Attends, je vais te le piquer surtout. L'écho du trampoline. Ça, ça pourrait être utile à mon avis. Pour atteindre certaines zones, ça peut être pratique. Il coûte combien ton quart de cœur là? 80 balles. Ah, vas-y. Vas-y, j'achète. Il y en a 3, plus que 1. Ah, c'est vite là. Ok. Ah, c'est pas comme dans Dragon Quest, on peut pas fouiller les armoires. Bienvenue, potion revigorante, douceur enchanteresse, la boutique du sud a tout ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas timide, approchez et regardez donc ce que nous avons en magasin. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je peux vendre des trucs? Je peux vendre quoi? Tiens, on dirait que vous n'avez rien à vendre. Ah, bah oui, bah justement, je peux pas savoir du coup. Que dites-vous de notre sélection de produits? Potion revigorante, nanana, ok. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite cabane? Des pots. Ah ah. Un nectar de fleurs. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, son effet est assez faible. Ça veut dire qu'on peut les améliorer. On peut améliorer les potions. Ah, c'est la maison de Link. Regardez, il y a le petit chapeau là. Il y a le petit chapeau de Link. Il y a le petit chapeau de Link. Il y a même un bout de la tunique de Link qui dépasse de l'armoire. Il n'y a pas son épée? C'est dommage. Si on avait pu copier le pouvoir de l'épée, ça aurait été bien. Pour se battre. Alors attends, le puits, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans le puits. Un coffre avec 5 pots de nectar de fleurs, ça nous en fait 6. Let's go, c'est bon ça, c'est bon. Bon, du coup, on peut pas passer par là. Ok. Bon, je crois que j'ai à peu près tout visité. Alors, on peut pas sauter plus haut en appuyant au bon moment. Mais attends, attends. Est-ce que... Yes. Mais... C'est tout. Ok, bon. Il n'y a rien derrière? Non, il n'y a rien derrière. Et maintenant, je peux plus sortir. Voilà, je peux plus revenir, je me suis bloqué. Non, allez, hop. Ah, on peut copier le panneau, ça sert à quoi? Mémoriser les codes de la pancarte. De simples factures, hein. Je sais pas à quoi ça peut nous servir, mais ok. D'accord, pourquoi pas. Vas-y. Dis Zelda, essaie de toucher ça. Si je veux. Et s'il me donne son accord, moi je ne touche pas s'il n'y a pas consentement. Où est-ce que tu vas? Essaie de toucher ça. Mais ça va, oui, Ça va, là? Oh. Je suis Zelda, moi. Je suis pas n'importe qui. Tu sais à qui tu parles, là? Non, mais sérieux, quoi. Il se prend pour qui, là? La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Ah. Oui, elle s'est illuminée. C'est une balise comme celle que mes camarades et moi utilisons régulièrement. Comme les failles peuvent apparaître n'importe où, on se sert de ça pour voyager rapidement d'un point à un autre. Une fois que tu en as découvert une, tu peux t'y rendre à tout moment. Je suis sûr que ça te sera utile. Oui, c'est sûr.
On peut trouver des balises un peu partout. Si tu en aperçois une, n'oublie pas de la toucher. Si je veux, et si elle veut. Je ressens la présence de nombreuses créatures. Je crois que l'endroit marqué d'un point se trouve un peu plus loin. Ah, mince. Moi qui croyais que j'allais pas dans la bonne direction. Je pensais explorer un petit peu là. Puis pour aller au point, il fallait passer par là, en fait. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Vas-y, chauve-souris. Oh. Vas-y, chauve-souris, vas-y, vas-y. Combat de Pokémon, là. C'est tellement ça. Combat de Pokémon, vas-y, vas-y, vas-y. Attaque, attaque, attaque. Oh. Yeah. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a un coffre là, vas-y, vas-y, vas-y. Oh bah c'est malin ça. Yes. Une pomme. 5 pommes volt. Pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, c'est pareil, on peut améliorer, on peut tout améliorer en fait. Alors par contre, pour repartir de là, je vais avoir besoin... Toc. J'ai ma chauve-souris avec moi, c'est bien. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre ce point là, sans herbe et tout là. À mon avis, il y aura un pouvoir plus tard pour pouvoir creuser ou je sais pas. Mais... Attention aux monstres cachés dans les fourrés. Ah, parce qu'il y a des. Ouais, c'est Pokémon. C'est Pokémon le jeu. On fait combattre les monstres. Ils sont cachés dans les herbes. Alors par contre, tu me rends ma chauve-souris s'il te plaît. Attends, parce que là, la chauve-souris, à mon avis, elle fait pas le poids. Voilà. Un coup ne suffit pas. C'est un boss. Vas-y, vas-y, fais voir. Allez, voilà. C'est bien ce que je me disais. Ok, alors, attends. Le rocher. Mais non, mais... Bon, essaye avec ça. C'est qui lui? L'écho du Lumisol. D'accord. Ok, intéressant, intéressant. Un ennemi de feu. Vas-y, vas-y. Je prends. Oh là, oui, je prends. Vas-y, je fais tout cramer moi. Fais tout cramer, vas-y. Hop. On met la bestiole dedans. Et ça allume le truc. Ah yes, un coffre. Dis-moi que c'est un quart de cœur, un quart de cœur, un quart de cœur. Ah, un flacon à fée, c'est bien aussi.
peuvent entrer les fées peuvent entrer à l'intérieur en un clin d'œil, ok. Comment je l'équipe? On peut pas. Comment ça, j'ai que deux quarts de cœur? J'en ai pas trouvé trois? Celui que j'ai acheté, c'était pas le troisième? Ok. Mais je croyais qu'on était déjà à 3, mais non, apparemment. Pourquoi j'ai cru qu'on était à 3? Bizarre. Oula, c'est qui celui-là? Rop, il s'appelle Rop. D'accord. Ah, le jeu est un peu de mal là. La console peut-être aussi, c'est pas impossible. Aïe, ouh. Et mollo, mollo, Kaira, mollo. Mais t'as jamais t'attaques toi là-bas hein? Attends, je vais me reprendre ma chauve-souris parce qu'elle est beaucoup plus intelligente. Voilà. La console, c'est la console normale d'origine. Hein. Celle sortie. Elle date directement de quand la console est sortie au départ, quoi. Donc elle est plus toute jeune. Bon, on va t'attaquer dessus, là. On est où, là? On a fait tout le tour. Ouais, donc en fait, en passant par là, on aurait vraiment pas pu rejoindre là, apparemment. Mais là, il y a une grotte. Moi, je vais aller voir la grotte. Ah, il y a un quart de cœur. Qui sera donc le troisième, cette fois. Wow. Ah, mais elle me crame aussi. Il m'a brûlé aussi, quoi. Rebond d'atout. Rebond d'atout, ok. Alors, c'est l'occasion d'essayer un truc. Ah, yes. Ah, par contre c'est long. Par contre c'est long. Mais c'est bien, on peut se heal n'importe où. Nice. Ok. Ah oui, non mais... c'est pas ce que je voulais. Ah, alors attends, j'ai compris. La sélection des... Oh, ça coûte 2 ça. Il coûte 2 trucs. Ouais, c'est vraiment le troisième. Pourquoi j'ai cru que... Je sais pas. Bizarre quand même ça. Aïe aïe aïe. Est-ce que lui, il fera l'affaire?
Non mais vas-y quoi, sérieux? Moblin à Lance. Ok, on commence à avoir beaucoup de monde là. À mon avis, lui, il est pas donné non plus. Ah, c'était deux aussi celui-là, j'avais pas fait gaffe, dis donc. Ouais, c'est deux aussi, quoi. Là, il y a une petite fée. Ah ouais, elle rentre automatiquement dans, dans le flacon. Quand vous aurez plus de cœur, elle viendra à votre aide. Ouais, mais on peut pas s'en servir pour ce heal avant, quoi. Comme avant. Ok. Ok, 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 on apprend, on apprend. Hein. Ça fait une heure qu'on joue, là, on apprend. Hein. Ok, alors là où on doit aller, c'est ici, donc si je vais à droite. Ouais. C'est les ruines du sud, à gauche c'est la prairie du sud. Vas-y, attaque un jour. C'est quand même pas pratique hein, pour pouvoir attaquer soi-même. Non mais sérieux. Alors par contre, comment je monte? Mais casse-toi! Mais il m'enquiquine lui! Ok. Du raisin. 10 grappes de raisin potentiaux. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs. Ok, mais c'est tout pour restaurer les cœurs en fait. En train de partir dans les endroits. Ok, là c'est bon. Si jamais faut revenir là, on peut. Alors là c'est bloqué du coup. Attaque, attaque. Oh, c'est vraiment pas pratique hein, pour pouvoir attaquer soi-même. L'écho du flambeau. Je vais aller voir là, puis après... On ira en direction de notre destination logique et on se quittera juste avant. Parce que là l'épisode est déjà long. Il y a déjà 1h05. Je vais vite faire ça. Hop. Il met 4 ans à attaquer cet idiot aussi.
Attaque! Un pirate, ça doit coûter cher ça. Vu le bestiau, à mon avis. Ah, ça peut pas être que ça la zone quand même, si. C'est juste pour récupérer ça. Il n'y a vraiment rien. Chelou. C'est bizarre quand même. Admettons. Admettons, il n'y a que ça. Allez, direction notre destination logique. Attends, ça coûte combien? 3. Ah oui, c'est ce que je disais, ça coûte cher. 3. Ouais. Tiens, mais c'est d'ici que tu voulais aller, non? L'endroit a été englouti par une faille. Tu sais, Zelda, j'ai pour fonction de refermer les failles. J'ai beaucoup de camarades qui ont les mêmes pouvoirs que moi. Ensemble, nous les refermons dès qu'elles apparaissent. Normalement, mes camarades auraient dû refermer cette faille immédiatement. C'est bizarre qu'elle soit toujours ici. Il leur est peut-être arrivé quelque chose. Zelda, tu veux bien mener l'enquête avec moi? Non. Je pense que mes camarades sont à l'intérieur de la faille. Si j'arrive à les rejoindre, on devrait pouvoir la refermer. Ouais. Et donc, Zelda, par ici, cherchons un point d'entrée dans la faille. Bah là, tu sautes dedans. Hein. Ah, on pouvait s'en approcher, ça fait rien. Non, mais je croyais que... Bon. Alors du coup, comme je disais, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et on se retrouve très vite pour la suite. Parce que j'ai envie de savoir ce que ça va apporter, en fait. Pour l'instant, c'est un peu... Voilà, quoi, le menu, là, il y a beaucoup de trucs. Du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir récupérer ce que tu veux facilement. Bref, quand t'as beaucoup de trucs, à mon avis, à la fin, t'as de quoi péter un câble. Bref, sur ce, je vous retrouve très vite pour aller dans la première faille, pour voir si on pourra la refermer. Et enfin, accéder à cette petite cabane, qui est donc notre destination logique, et qui pour l'instant est mise de côté. Bref, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao, bye bye.